Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23 de notre incroyable aventure sur Horizon Zero Dawn. On continue notre aventure, notre quête principale totalement incroyable et je vais appeler ma monture. Pourquoi? Bah tout simplement parce que maintenant grâce à une compétence particulière que j'ai appris au cours de ces 40 dernières années, je peux appeler ma monture n'importe où. Alors là les gars, écoutez ce petit coup de violon comme ça. Donc là, direction notre objectif. Alors notre objectif, il est où? Il est maudire l'obscurité, rejoindre l'emplacement indiqué par Silence. Voilà, le mec il s'appelle Silence. Il est là, il ferme sa gueule à chaque fois, c'est insupportable. Il s'appelle Silence pour être plus précis. Et on doit aller rejoindre au clan des Karja. Ça va être terrible les gars, donc on va passer par ce chemin. Et j'ai peut-être pris ma monture pour rien, non? Attendez, tu passes? Oui, il passe. Eh, GG, gros. GG, je lui ai tout appris, les gars. Alors, on va encore une fois aller dans un endroit de la map où on n'a jamais été. Je dis bien jamais. Donc, déjà, faut rejoindre la Batcave des Karja. Ça va être terrible, à mon avis. Et ensuite, dans cet endroit, je crois que c'est le seul endroit où on n'a pas été. Après, je pense qu'on a dévoilé. Enfin, on a été dans 100% de la map. Désolé, les potes. Pas que ça à faire. Et c'est beau. Eh, c'est beau ici. C'est même très très beau. Incroyablement beau. Tiens, on va passer par ici. Hop, voilà. C'est pas facile avec une monture. Rigolez pas, les gars. Je vous passe la manette en main. Je vous assure que c'est différent. Hein. Tu conduis pas ça comme une voiture de GTA, cousin. Tu vois, c'est. Il se passe des trucs. Il se passe des trucs entre temps. Ok. On va essayer de tracer à travers. Oh, les gars, vous m'avez pas vu. Vous m'avez pas vu. C'est rien. C'est dans la tête tout ça. C'est des conneries. Vous énervez pas. Y a pas de souci. Oh! Est-ce que ce serait pas une nouvelle espèce qu'on a là? Est-ce que ce serait pas une... Cette machine transporte un fluide dans ses poches, mais je veux pas savoir lequel. Oh putain, elle est bleue cette fois. C'est bien une nouvelle espèce. Yo, je fais que passer, c'est rien. Tu m'as pas vu. Hop. Oh bah les gars, on s'en bat les couilles, hein. Direction. Oh! Ah! Oh oui! Je crois que je lui ai mis un petit coup de pied. Y'a moyen. Y'a moyen qu'un petit coup de pied soit passé très très vite. Hop, je crois qu'il est juste derrière, hein. Ok, c'est bon. Le mec, il a fait un saut, cousin. Il a sauté la rivière. J'étais pas prêt. Il y a moyen, hein. Les gars, passez au ralenti. Dites-moi si j'ai bien mis un petit coup de pied là. Ok, on continue. On s'en bat les couilles, les gars, à quel point on trace là. Direction notre objectif. Je pense que vous l'avez tous cramé. Littéralement, on s'en bat les couilles de ce qui se passe sur notre chemin. Hein. 4 personnes, 4 millions de personnes, que dis-je, peuvent mourir devant moi. Rien à foutre. Oh putain. Oh, ça va, ça c'est des hurleurs, me semble-t-il. Attendez, est-ce que j'ai bien retenu le nom? Des brouteurs, très bien. Voilà, je suis nul à chier, ça fait plaisir. Yo, attention. Ah, voilà, sachez que Nier Automata a fait une petite mise à jour. Ah, faut partir, monsieur. Là, faut partir. Hop, l'objectif est par là. Faut toujours partir. Ok, c'est bon. On est toujours direction les cartes Jadlon. On va pas tarder à descendre de la monture parce qu'on est presque arrivé, mine de rien, c'est étonnant. Et le GPS qui me fait traverser une rivière pour me la refaire traverser 4 mètres plus loin, c'est un vrai régal. Ça fait plaisir. Mais c'est pas mal. Je m'attendais à ce qu'ils soient dans un endroit un peu plus sinistre, un peu plus ghetto, mais c'est pas mal là où ils sont, mine de rien. On va rejoindre Silence. Silence! Ok. On va passer par ici. Ah! Ah! Je sais rien. Et elle a voulu faire quelque chose. Ça arrive, ça arrive. On a tous tenté des trucs dans la vie. Ce fut un échec. Allez, on va descendre ici, je pense. Et voilà. Allez, reprends ta liberté. Chevauche à travers les galets. Monte sur les cailloux. Bon, nous y voici, les amis. Ah oui, c'est même très très beau. Ils ont des cascades et tout. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va se rapprocher, vous allez voir, je pense que vous allez kiffer. Il y a un marchand. Il est là. Il marchande à la base, mais il est tout seul. Yo, frérot. Alors, bon. On va arrêter de faire les crevards, je pense qu'on va s'acheter enfin une tenue, les gars. Et j'ai pensé à cette tenue, c'est la plus chère. C'est la plus chère, donc c'est forcément la meilleure. Elle est moche, hein, soyons très honnêtes. Mais elle a l'air pas si mal que ça. Donc vous savez quoi? Je vais enfin l'acheter, parce que je vous vois déjà gueuler à 4,5 km, ça va être insupportable. Donc bien évidemment, je l'équipe. On va la modifier de ce pas. Ouais, ça va, ça va, ça va. Par contre, elle fait du bruit, hein. Attention. Il y a une marécasse à chaque tresse du bordel. Donc comment on va faire? On va modifier la tenue. Et on va l'équiper de choses totalement incroyables. Un anti-gel.
anti-électricité. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On va le mettre parce que c'est rare et j'aime bien tout ce qui est rare. Et sinon, c'est en discrétion et anti-attaque à distance. Je sais pas trop quoi faire. Anti-attaque de mêlée. Les anti-attaques de mêlée, j'aime bien quand même. Les anti-attaques de mêlée, j'aime bien. Et mon arme est naturellement équipée d'anti-attaque de distance. Donc ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien, donc je vais m'en équiper. On a enfin une nouvelle tenue, les gars. Donc j'aimerais un tonnerre d'applaudissements dans les commentaires depuis le temps que vous l'attendiez. C'est très stressant le bruit que ça fait, cette tenue. J'ai l'impression que c'est j'ai acheté ça à Ikea et que tu regrettes... tu sais, les chaussures que t'achètes à Decathlon, là, à 10 balles. Et que tu sors, tu regrettes finalement. Dans le magasin, t'as kiffé, hein. T'as kiffé, ça fait genre un peu des chaussons, tu vois. Mais tu sors, tu regrettes déjà. T'es là en mode, bon, bah, écoutez... C'est vrai que j'ai acheté des chaussons, quoi. Le moindre caillou, je me fais enculer le pied. C'est un vrai plaisir. Putain, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Le petit soleil qui reflète comme ça sur les hauteurs de mes couilles. Ok, là, ça va être chiant. Voilà les prises. Pile à l'endroit où tu l'avais annoncé. T'as entendu, Silence? T'aurais dû t'appeler Silence. Elle est incroyable! Vas-y, on rigole plus maintenant. Là, ça va la comédie. C'est vrai que quand j'y pense, j'ai activé aucun feu. Et maintenant? Donc heureusement que tu celui-ci. Attends, c'est tout. Assieds-toi près du feu et repose-toi. À la nuit tombée, on discutera. J'ai le feu pour me tenir compagnie, au moins. C'est trop gentil à toi de passer me voir. Notre objectif cette nuit, c'est de faire planter le réseau. Oui, dis-moi plutôt ce que je ne sais pas. Comment? Pour commencer, tu dois infiltrer la base principale de l'Eclipse. Quoi? Tu as entendu. Heureusement pour toi, je te fais passer par la petite porte. Cette fissure, juste là. Une fois dans la base, tu verras l'objectif. Un grand coup abandonné qui a été lourdement... modifié. Grimpe sur le grand coup. Fixé au sommet de son disque, tu trouveras un genre de module. Détruis-le. Et tout le réseau de Focus plantera. Alors tu faisais partie de l'Eclipse? Je n'ai jamais fait partie d'un groupe. Je ne sers que mes intérêts, uniquement. Mais... il est vrai que j'ai... assisté l'Eclipse, avant de comprendre le danger qu'il pouvait représenter. C'était une erreur. Je fais tout mon possible pour la corriger. Quel genre d'assistance est-ce que tu leur as fourni? Passe par la fissure, Aloy. Tu as plus important à faire que de poser des questions. Écoutez, fallait pousser un petit bruit d'énervement. Au bout d'un moment, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Donc on est parti, les gars. Nous allons pénétrer la fissure. Une petite fissure, mais une fissure quand même. Et on va aller au cœur de l'Eclipse. Cette fissure nous mène. Alors, les gars, faut savoir un truc, c'est qu'avec cette tenue, si je mets un coup de tête, il y a 40 morts. Je vous le dis direct. Des machines corrompues. Elles patrouillent comme des gardes. Comme des soldats, plutôt. Gardés en réserve pour une future guerre. Tu vas devoir traverser. C'est le passage facile, ça? La petite porte. Je n'ai pas dit que ce serait facile. Waouh! Oh, c'est beau ça comme attaque. Première fois que tu me fais ça, mon petit pote. Ok, bon, on va se casser. Alors, j'ai voulu tenter un truc. Il s'avère que les machines ne sont pas modifiées que dans le sens. Eh, tu sais quoi, la tête de ma mère. T'as voulu faire le show, y a pas de souci, on va te régaler, mon pote. On va te régaler, bouge pas. Ta faiblesse, c'est le feu. Impeccable. Allez, je vais te régaler comme Jaja. Attends, j'habite où, là? Ok, c'est bon. Allez, dégage. Ok, ensuite. Un petit saut par ici. Ah, les gars. Oh, putain! C'est quoi, ces délires? Ok. Ok,
Ok, ça veut jouer à ça. Ça veut jouer à ça. Allez, ça dégage. Alors là, les gars, je suis désolé, on est dans une phase terrible. Terrible d'attaque. Oh putain. Vous kiffez ou quoi? Je joue énormément avec le son, là. Dès que j'entends leur missile, je fais un petit saut. Impeccable. Allez, eux, ça va être de la quincaillerie. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. On s'en est bien sorti. Bon, on a été blessé quand même dans cette histoire. On a même été bien blessé. Mais ça va, les gars. Je suis désolé. En fait, je pensais que ma flèche, entre guillemets, perforante, allait perforer le guetteur du premier coup. Et au final, pas du tout. Pas du tout, c'était terrible. Ok, bah c'est pas grave, on les a quand même tous fait, les gars. Pas de regret jusqu'ici. C'est ce bruit là, terrible. Il y a le long coup ici. Hein. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose là-haut là qui regarde d'un air suspect. Attendez, on va se refaire des flèches. Ok, on va s'en mettre en double. On va faire une doublette. Ok, voilà, ensuite. Voilà, ensuite, on va prendre ça. Attendez. On va le casser. On va viser le point faible qui est juste sous la tête et il est mort. Impeccable! C'est très beau ça! Ok, vas-y, régale-nous. Il est mort littéralement la tête dans le caillou. Ok, comment je suis censé passer par là-haut, moi? Attendez, là, bougez pas. Bougez pas. Si on a une tyrolienne. Ah oui, d'accord. Ok, donc faut que j'aille tout là-haut. Impeccable. Oh, ça va pas poser trop de problèmes. Attends, c'est... Ah. On va passer par ici. Bon, on s'en est encore une fois très bien sorti. Alors, attendez. Ça, là, cet outil-là, ce petit outil, il est vraiment sympa. Hein. Pouvoir attacher les bestioles au sol, c'est vraiment cool. Ok, on va prendre ça. Ah mais attendez, non, je ne peux pas en fait. Si? Ah bah si. Je pensais qu'il fallait utiliser anti-rolienne, mais pas du tout. Ok. Hop. Je l'entends, les gars. On entend le long coup. Mais il n'est point là. Non, ça sert à quoi de monter ici concrètement, les gars? Non? Alloy? Et voilà, à l'œil pour lâcher quelque chose, c'est... Ne fais pas attention, ce n'est pas ton problème. Ok. Est-ce que je peux pirater? Et non, je ne peux pas. Wow! Wow! Où je suis? Wow! Ok! Ok! Contaminé, ça casse les couilles. Ok, ils ont l'air tous d'être affaiblis par le feu. Voilà, 1, 2. Oh putain, c'est terrible. C'est beau ça ce que j'ai fait là. Ok. 3. Allez, ça c'est très très beau ça. On les liquide tous, on s'en bat les couilles. C'est beau ça, putain! Lui il est mort. C'est incroyable! Oh là là, ce qu'on fournit là, les mecs! On s'en est tellement bien occupé.
Ah ouais, j'ai pas le temps, moi. Ah d'accord, voilà. Le célèbre décor invisible. Allez, GG ça. GG, c'est très très beau ça. On apprécie tout ça. On aime, on valide. J'en ai hop, besoin. On soigne. Ok, putain de merde. C'est bon. Je me kiffe. On va passer par ici. Il est où ce putain de long coup, les mecs? On entend depuis 4,5 km là. Tu te rapproches. Va vers l'arête. Ah. On va vers l'arête, les gars. On écoute monsieur. Le grand coup est juste après cette arête. Tu le verras quand tu seras en haut. Prépare-toi à agir vite. Tu dois entrer et remplir ta mission avant qu'il ne sonne l'alerte. Allez, oh, on y va. Ok, ça fait très peur. Est-ce que tu vois ça? Je vois les pattes d'un grand coup en bas, mais pas de grand coup. Bon sang. Le transmetteur a été déplacé. Regarde dans le ravin sur ta gauche, il ne peut être que là. Bonjour l'informateur, que du vent. Vers les explosions. Super. Tu n'auras pas de deuxième chance, Aloy. Alors épargne-moi tes sarcasmes et applique-toi. Tu vois ce pont au-dessus du ravin? Ouais. Mémorise son emplacement. Il y a un point de rappel sur le côté. On partira par là. Et ces soldats de l'éclipse? Évite-les ou tue-les, comme tu veux. Les explosions couvriront le bruit que tu feras. Trouve le grand coup et détruis le module à son sommet. C'est parti. Il a quitté son poste pour manger sa ration. Inutile de dire qu'on lui a enseigné les... Allez, ferme-la. Ah ouais, mais tu nous racontes ta vie dès le début, c'est assez chiant. Quoi? Quoi? Bon bah les gars, à l'ancienne, hein, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Sur un malentendu. Voilà, on va passer en double flèche rotative. Il est où? Ok. Bah écoutez, je voulais pas en venir là, je vous avoue. Non. C'est une opération minière. Fais vite et tu n'auras pas à t'en faire. D'accord, j'ai strictement rien compris à ce qu'il veut en fait. Un secret. Donc on va passer par là. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux, mon copain, mon cousin? C'est quoi cet endroit? Une distraction. Il y a plusieurs points de données. Armure de cérémonie, très bien. Tant que le roi y t'amène, croupie abrunante, couvée par sa mère. Ah d'accord. C'est tout? Chaque matin, je m'éveille dans le même cauchemar, la même réalité. Méridian la sainte aux mains des dépravés, profanés. La flèche s'élance au-dessus de l'horizon, tel un épieux scintillant qui transperce mon esprit. Chaque aube en exil est un échec. Mais cet exil touche à sa fin. Je verrai la reconquête de Méridian, le massacre des dépravés, et l'arrivée d'un roi incontestable sur le trône de la Mesa. Je suis devenu un instrument de la prophétie. Sa voix est stylée, mais qui sait, aucune idée. Elis, il s'appelle. Monseigneur, le 13e roi de l'Hélium Garja a été assassiné. Une fresque de Méridian et de la flèche. Ah, très bien. Monseigneur, le 13e roi de l'Hélium Garja a été assassiné par des couards qui ont pris son intransigeance pour de la folie. Même le titan est assailli par les mouches. C'est ce qu'il a déclaré lorsque les traîtres ont attaqué. Lorsque leurs canons, forgés par la plèbe Océram, ont abattu les remparts et enfoncé les portes. J'aurais voulu lutter jusqu'au bout. Mais son désir, le désir du soleil, était que j'aille mettre le prince et la reine en sûreté à l'ouest. Monseigneur n'a pas hésité.
Il a vu son destin. Il a regardé le soleil sans scier. Il a envoyé avec moi des cusards, des nobles, des prêtres du soleil et des esclaves. Éliminant tous nos ennemis, j'ai ouvert la voie. Allez, tu m'as saoulé, gros, personne te connaît, frère, et tu racontes ta putain de vie. Si c'est que lui là, les gars. C'est pas ouf. Jamais hein. Le soleil n'est miséricordieux. Allez hop, on va écouter celui-là, on se casse. Oh, il raconte sa vie, c'est terrible. Est morte, en couche, mais enfin la vie de mon enfant est d'être. Et voilà. J'ai eu pitié de moi. Monseigneur l'a senti. Ça lui évite de perdre de vue son objectif. Ma faiblesse. Il approche des soins. Bon, tu vas aller chercher ce grand coup. Ça n'a pas dû être facile de traîner le grand coup par ici. Pourquoi l'avoir fait? Trouve-le et grimpe au sommet. Détruis le module et va-t'en aussi vite que possible. Il y a beaucoup d'explosions là-haut. Ils sont occupés. Espérons qu'ils le soient assez pour ne pas te remarquer. Je le vois. Ils ont construit un genre de structure autour. Escalade. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Oh, et il donne tellement d'or, lui. Malsain. Tout ici est malsain. Grimpe jusqu'au module et détruis-le. Donc grimper jusqu'ici n'a servi à rien, bien évidemment. Un vrai plaisir. Les gars, vous faites des échelles qui donnent accès à rien du tout. Allez, alors, il a, abuse pas. Relou celle-là, hein, quand elle s'y met, hein. Ah, les gars, vous savez que ça va partir en couille, le plan. Info sûr que le plan a échoué. De toute façon, il n'y aura rien au-dessus. Au début, je pensais que c'était le grand coup qui marchait, mais pas du tout. J'ai trouvé le module. Bien. Dépêche-toi. C'est bien Hadès ? Aloy, ce n'est pas le moment. C'est un démon de métal. Ouvre l'étui du module tout de suite. Aloy, fais ce que je te dis ou tout est perdu. Bordel, Hadès a l'air tellement stylé, les gars. Ok, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Donc, une petite phase de run. C'est pas le moment de lancer des vannes. Oh putain, tout ce qu'il y a. Oh, je suis mort. Bah, les gars, je savais pas où aller. Je me suis perdu dans la caméra. Je tombe dans un... dans de l'eau noire, voilà, dans du pétrole, écoutez, c'est avant tout une façon de vivre, quoi. Continue si tu ne veux pas mourir. Ok. Donc là, je sais toujours pas où aller, c'est terrible. Petite promenade de santé. Ouais. Voilà. Ok, d'accord, c'est par ici, impeccable. Petite face sur les falaises qui rappelle fortement Uncharted, quand même. Mais qui était pas évidente à trouver. Je suis presque. Attends, Aloy, tu parles un peu trop à mon goût. Ok, c'est parti. Je cours. Je me raccroche à la vie. Hop. Oh là là, c'est beau. J'y vais. Aucun putain de souci. Yo, frérot. C'est rien, on évite. Oui, j'ai remarqué. J'y vais. Je voulais faire un truc trop stylé, c'est tout. Attention, d'autres soldats. Vous pouvez pas m'en vouloir. C'est bon.
j'ai pris une sacrée balle quand même, hein. C'était rude, mais tu as survécu. Tu savais qu'Hadès était ici et tu m'as envoyé vers lui? Je ne nie pas avoir risqué ta vie, mais c'était la seule solution. Bon, le réseau est désactivé, on va pouvoir obtenir ce qu'on veut. L'accès au secret de l'Aube Zéro. Franchement, je te fais plus confiance pour les secrets. Bien. Tu commences à comprendre. La confiance, c'est dangereux. Elle glisse et s'enfuit comme le sable. C'est une mauvaise base de partenariat. En revanche, l'intérêt mutuel, voilà une base solide sur laquelle on va pouvoir construire ensemble une nouvelle compréhension. On cherche tous les deux des réponses, Aloy. Grâce à toi, on est sur le point de les obtenir. Abrunante. À très bientôt. Ben voyons. Espèce de... Si je pouvais jeter ce focus et me débarrasser de toi, Silence, je le ferais. Mais j'en ai besoin, Ethé. Direction Brunante. Et Aube Zéro. Allez, on va s'arrêter là, les amis. La prochaine quête, les secrets de la Terre. Rejoindre Brunante. Brunante qui est où? Brunante qui est, encore une fois, à l'autre bout de la map. Ça fait plaisir. Mais au moins, on en saura beaucoup plus, surtout sur le projet Zéro, à mon avis, lors du prochain épisode. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai bien kiffé, je vous fais des bisous, je suis presque au niveau 30, et ça fait plaisir, à bientôt tout le monde, ciao ciao.